C'est avec même plaisir nous rentrer la Kaonaka 3e édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui pral dominer l'actualité à sénateur nord-ouest là, au nom de lui, minimiser arrêté présidentiel qui invitait la population à participer dans la prochaine compétition électorale. Selon le parlementaire nord-ouest là, Justin Briver, pas gain qualité pour continuer engager l'État. Inscription candidat pour renouvellement tiers Sénat continuer dans Bellevue 1. Dans Pigeonville, côté Marie-Liliane Verbrick dit Maman la vie, fait des paupières libres, journée mercredi 20 avril 2016. Là, l'intervention de Marie-Liliane Verbrick dit Maman la vie promet pour le travail pour arriver changer l'image pays d'Haïti. C'est toutefois l'État arrive et remporter l'élection. L'élection Théâtre National Haïti a annoncé premier caravane théâtre dans la ville provincialité pour faire théâtre arriver couvrir tous 10 départements géographiques pays d'Haïti. Directeur général Théâtre National Fritz Nermilien, hommage fait qu'on est. Gain séance formation qu'a organisé dans différents villes dans le pays pour former, à encadrer et puis sensibiliser la population sur l'importance théâtre pendant lancer un spectacle qui baptisé Fierté Haïtien pour 30 juillet qu'a venu là pour aider la population retourner et puis rester dans la culture haïtienne. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, dans le pays de la France, une autre fois encore suite à la mort de 3 militaires français dans un accident hélicoptère journée mercredi. 20 juillet 2016, là, dans le pays Libye, il y a un drame qui confirme l'engagement militaire français sous territoire libyen. Mika, où est-ce que je suis? Je suis oublié. Avec aucune chaîne avantage qu'à une banque de côté, qui est-ce que tu as? Avec Captain Bank tout côté, pas rien à faire de marché à pile cash dans mon corps. Et puis tout, n'en est pas qui a terminé Bank ou rivé. Mettez petit Captain Bank tout côté pour là, tirez l'argent plop plop. Ou bon, passez tout vache, quand n'est pas de commerçant. Nous avons raison, hein? Faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce qu'a fait fausse route. Eh bien, comment c'est qu'on y a? Payez manger avec Captain Bank tout côté pour là. Il est tout côté, il simple, il rapide, il prêt. Plus d'informations, relez-nous dans 2499-2020. Il est tout côté. L'ISNAC fête ses 10 ans. 10 ans de présence. 10 ans de service que l'Institut ne peut se permettre de laisser passer inaperçu. Pour respecter la tradition et marquer la fête en lettres rouges, l'ISNAC va encore vous gâter cette année. En plus des demi-bourses qui seront offertes aux premiers inscrits, l'ISNAC offre aussi par tirage un laptop dernier cri et 3 bourses d'études complètes pour tous les cours dispensés. Hôtellerie et tourisme, assistante administrative et marketing, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, journalisme, français, animation et présentation. ISNAC, une formation de qualité, matin ou soir, dans un cadre attrayant et sécuritaire. Mettez-vous en première ligne. Bénéficiez de tous les avantages offerts par l'ISNAC, en plus d'un cours de diction gratuit. ISNAC, stage garanti, 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54. Ou visitez ISNAC, www.isnachaiti.com ou écoutez Radio ISNAC sur TuneIn. Réaction pas suspendre tomber après publication arrêtée qui convoquait population à participer dans l'élection sénateur sud-est du pays. Chez Rubin mandé pour le Parlement réuni en Assemblée nationale pour pencher sous son président provisoire Justin Briver comment d'arriver dans Boutli. Depuis 14 jours est passé alors que il continue à engager l'État du pays. Chez Rubin, c'est sénateur sud-est là qui tape pour des plus précisions dans le micro collaborateur nos gens Sony le mic. Peut-être de gagner il y a un temps encore qui reprend, même si c'est pour une semaine, pour te bailler même parlement ça a chance pour que les prononcer avant gouvernement fait appel et les peuples là les convoquer en ces commissions pour que yo parce que on est un risque qui gagne, on est gens yo pas voulu rater que février 2017 que nous retourner à l'ordre constitutionnel. Donc c'est bien regrettant que gouvernement fait que pour un pile monde qui tourne encore qui c'est une situation encore qui irritant le fait que le gouvernement a avancé a fait des avancées considérables sans que le parlement pas arrivé fixer position mais quand bien même qui est-ce qui a assuré le gouvernement tout que si on fait une convocation encore semaine prochaine ou bien semaine ça et que le parlement a réuni et a fixé position mais après tout pour me dire encore nous avons un problème sérieux au niveau de ce pays. Nous pas arriver faire dépassement de soi pour nous faire. Nous rester, nous prendre bagaille comme si à la légère. Et puis, il y a de grandes décisions à prendre. Le fait que le gouvernement prend décision, président, convoquer le peuple en ses commissions,
quelqu'un soit agent ou interprété, ou qu'a dit est-ce que vous pas de attendre, mais est-ce qu'on a dit tout, il pas de refaire du tout, c'est une mauvaise décision quand parlement pas arrivé prend responsabilité. Moi penser que il pas trop tard. Moi-même personnellement, moi t'a invité parlement, même le gouvernement président Guétan il convoquait déjà le peuple en ses communes pour que vous prononciez quand même ce gouvernement ça pour nous arriver à jouer une harmonie pour nous arriver à avancer. Sénateur Nord-Ouest là, au nom de Dieu, lui minimisé arrêté présidentiel qui invité population à participer dans l'élection. Selon parlementaire Nord-Ouest là, Jocelyne Privert pas gain qualité pour continuer à engager l'État. Au nom de Dieu, lui, c'est sénateur Nord-Ouest là qui t'a porté plus précision dans le micro. Collaborateur non Jean Sony Le Maï. Pour même son face plaisante. Et ben la tapi belle encore si hier soir et puis au Téwé président ancien président Boniface, ancien président Bréval, ancien président Aristide, ancien président Joseph Neret, tout monde ça yo t'est également tout convoqué le peuple en Saint-Gomis. Donc yo tout c'est yon bon ancien président tout comme monsieur Privé, c'est yon ancien président. Ben yo tout hier soir t'es doué profiter des situations ça pour t'es convoqué peuple en service. Moi c'est ça me pense. Est-ce que comme sénateur même nous sénateur pas gain pour jouer pour nous arriver dans situation ça côté nous hier là. Non j'aime toujours dire moi toujours là en chair en os à chaque fois gain séance, moi toujours voulu ces débats qu'on fait parce que le parlement est un lieu de débat et ben et les sénateurs, les députés et ben maintenant, doit venir dans la séance maintenant pour faire des débats. Sauf que, je ne peux pas rentrer dans la logique pour nous chita ait décider sur des choses qui ne sont pas constitutionnelles, sur des choses qui sont illégales, sur des choses qui ne sont pas cadrées avec la loi. Et c'est ça que fait. Et je saute par l'état là, je dis que la convocation, ce n'est pas que la convocation, nous avons dit, pas gagner place li. Depuis qu'il y a une élection, normalement, il faut une convocation. Mais c'est qui est-ce qui fait convocation? Est-ce que les gens qui font convocation ont une légitimité, une autorité, une la capacité okay, pour faire convocation? Eh bien, comme ça, tout le monde est levé là, et puis après-midi, là, nous convoquons le peuple en ses commis. Qu'importe citoyen, et nous-mêmes journalistes, nous sommes arrivés après-midi, là, et puis nous disons, bon, eh bien, nous prenons, on fait papier, et puis nous disons, okay, nous avons convoqué le peuple en ses commis. Je pense que M. Privert n'a pas l'autorité nécessaire, n'a pas l'autorité, n'a pas de légitimité assez maintenant pour convoquer le peuple. N'a toujours été non parlement haïtien pour nous faire connaître sénateur Louis Steven Benoît, confirmé les papes candidats dans le cadre d'organisation prochaine compétition électorale. Sénateur Steven Benoît fait connaître les papes décide de chita tout dans le parlement à cause. Selon les mêmes gampil, le collègue qui mal élu, Steven Benoît a annoncé retirer les sous-scènes politiques là. À partir de janvier 2017, qu'a venu là, Steven Benoît, c'est sénateur Louis là qui t'a porté plus précision dans le micro, radio, télé et clair. Premièrement, j'ai besoin de confirmer pour la nation que je ne suis pas candidat dans l'élection à l'ESA. Je fais 10 ans dans le Parlement, bilan, nous tous qui là, nous comptons bilan, nous sommes toujours présents, nous participons dans toutes les séances, sauf séance en Assemblée nationale 2016, parce que moi, je dis et je nul. Bon équipe moun kap siège dans parlement yo pas élu donc moi dit m pa chita avec yo jusqu'à ce que moi saute là sauf le CEP a vini confirmer pour nous que moun sa yo était bien ou mal élu donc moi même moi pas candidat et m'a dit depuis longtemps il y a 3 mois m'a dit 9 mois il y a 4 mois m'a dit et ainsi de suite qu'on a m'a 6 mois le 2e de janvier 2017 Steven Benoît a fait une cérémonie là pour me dire adieu à mes amis parlementaire et m'va le faire l'autre bagaille. Ou quitte politique après ça. M'a font ti retrait, m'pa konn pou combien de temps, pou 20 ans, pou 1 an, mais m'pa nan politique à partir de janvier 2017. C'est ça qui explique les décisions ça, qui ça qui explique bon, décision ça. Frustration. Moi là mon parlement haïtien, n'a vivre sans constitution. Nous pas la constitution. N'a fonctionner sans une loi constitutionnelle sur le fonctionnement des partis politiques. Depuis 2006 m'entrer là, moi dit nous ministre illégal. À quoi là, t'es de signer pour le président, c'est le premier ministre, la toi tu signes. Toute intervention me fait pendant 10 ans, personne ne va occuper. Et, une dernière bagaille là, je dis, élection 2015 là, côté une équipe qui n'est pas élu, que c'est à coup de cob, c'est à coup de zam, ils ont entré dans le parlement à siéger. Mais le moins,
L'autre information, avocat Jean Barreau, Port-au-Prince, partagé préoccupation sur situation socio-économique et pays d'Haïti. Secrétaire général Jean Barreau, avocat Port-au-Prince, le maître Peter Reynolds Delciné, dressé un tableau sombre sur situation socio-politique pays dans les moments pendant lancé un appel par les parlementaires pour demander à agir à conscience pour sortir pays dans un mauvais impasse. Les trouvelles depuis quelques temps. Maître Peter Reynolds Delciné, c'est secrétaire général. Jeune Barreau, avocat Port-au-Prince, qui t'a porté plus précision, dans micro, Garlène Sui avec Markinson Régis. Jeune Barreau de Port-au-Prince constaté que malheureusement, irresponsabilité acteur politique haïtien pour ces pays dans un accord politique depuis février 2016, qui conduit nous malheureusement dans une présidence provisoire pour une période de 4 mois. Et du même coup, l'irresponsabilité Parlement haïtien avec fameux article 7 ans qui gagne comme disposition en cas échéant, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent. Cependant, depuis fin période ça, nous constatons que Parlement haïtien va arriver à prendre responsabilité face à exigences qui fixées dans le cadre article ça. Manque de responsabilité, ça a empêché non seulement prononcer ce sort M. Prévert, mais écarter tout de vraie mission qui c'est mission qui gagne dans ça, qui est rapport à contrôler l'action gouvernementale, même j'entoure avec mission pour les capables légiférer, ça veut dire produire des textes de loi qui ont rapport à fonctionnement société. Mais tout lui permet que questions politiques trouvées au premier plan. Par rapport aux questions sociales, questions environnementales, questions économiques, questions de santé, au second plan. Dans ce qui a rapport à questions sociales, le pays lui-même fait face actuellement, malheureusement, à une situation de misère atroce, même besoin primaire qui plus primaire. Vous n'oubliez pas les deux, manger, de boire, de dormir et la trier. Donc, c'est le besoin que la majorité de la population haïtienne n'a pas arrivé satisfait. Et nous observer, nous informer et nous gagner information tout, gagner une grande majorité de la population haïtienne n'a qui malheureusement pas capable de priver d'accès à un plat quotidien que nous connaissons qui fait partie de l'élément, ça, qui c'est l'élément besoin primaire. Question qui a un rapport avec l'environnement. Je ne dis pas question environnement paysan, il trouvait dans un niveau qui est beaucoup, beaucoup plus bas il y a 10 ans de cela. Non seulement qu'à regarder dans ce qui a passé au niveau de Delma 2, dans ce qui a passé au niveau de Cité Soleil, dans Martissant, il a trié après la pluie lui-même, il finit tomber. C'est question de fatra qui a remplacé Moun au niveau de circulation qui le fait dans la rue. Ironie du sort, c'est route qui menait au Parlement haïtien qui arrivait obstruée par des tonnes de fatras. Donc, nous pensons que le Parlement haïtien a gagné pour obligation pour être capable de pencher sur la question environnementale. Ça, qui c'est une question qui a rapport d'abord avec le budget qui soumet le Parlement, malheureusement, pour arriver et analyser. Nous pensons qu'au niveau du Parlement haïtien, il faut gagner des analyses qui font. Ouais, est-ce que question environnementale, ça, c'est une question qui prend en compte? Troisième édition Éclair Info continue à faire chemin pour nous faire connaître l'inscription candidat pour renouvellement tiers Sénat à continuer dans Belle Ouest 1 à côté Marie-Liane Verdrick, dit Maman la vie, fait des pièces les jours mercredi 20 juillet 2016. Là, l'intervention de Marie-Liane Verdrick, dit Maman la vie, promet pour le travail pour arriver changer l'image pays. Si toutefois, elle est arrivée remporter l'élection, Marie-Liane Verdrick, dit Maman la vie, t'as porté plus précision dans le micro. Radio, télé, éclair. Bon, raison qui fait que moi retourner dans le constat encore, c'est parce que moi connais et moi crois que place moi dans le constat. Pas oublier que qui j'ai les dernières élections ont été passées et malgré que moi t'ai en nouvelle tête et nous voyons que qui j'ai que monté arrivé quand même à arriver en 8e position et puis voilà moi senti que place moi là alors
Moi, j'ai toujours pensé là, parce que je sais que moi choisi aller, c'est pas un jour, c'est pas du jour au lendemain que moi levé comme ça, moi dit comme ça que moi dans l'élection. C'est un bagage qui était bien planifié et puis moi fait un bon travail et m'vient à un très bon programme et puis moi pensé que place moi là. Moi je suis sûr de ça. Projet am capable de projet un, il parle en fonction de ça que population a attendre de moi-même. Bon, mon projet vraiment projet que me gagne c'est que améliorer conditions vie population. Améliorer aussi et au niveau de la santé, au niveau aussi d'environnemental. Parce que nous avons des problèmes environnementaux. Nous avons dit que le pluriel. Parce que ça aussi, ça fait partie aussi de tout le projet que nous avons. Et puis, pas j'ai oublié que y a un parlement sans la présence féminine, là-dedans, c'est son parlement qui est nul. Parce que nous avons un parlement sans implication des femmes. Alors c'est mais l'aime de des femmes n'a pas parler de toutes femmes mais on va en tant qu'on va dire même qui est plus bon chaque monde pas oublier que il y a 24 candidats c'est vrai non candidat 24 candidats 25 candidats yo moi fait 25 là dedans yo mais chaque monde ça yo rien technique par yo vient avec stratégie par yo moi même stratégie femme non c'est que moi même moi connais qui ça que moi représenter et dans jeu population et moi connais aussi valeur moi parce que moi connais que dans chambre sénat il y a en pile des monde qui là dedans côté que place yo pas supposé là place là quand même qu'on est que gain mais qui pour repasser dans bon c'est que moi t'a dit électeur yo pour voter moi parce que tout le monde connaît que maman la vie bon l'autre dit maman et yon maman l'autre qui prend dans qui maman qui pas vraiment maman l'autre non maman c'est maman qui sensible pour petite li c'est maman qui sensible avec conditions et vivant et conditions payant parce que normalement et on paye pas ta supposé fonctionner j'en fonctionner OK moi même moi voyager à travers le monde moi qui j'en paye à fonctionner c'est ça qui fait que ça qui explique la présence moi là alors tout le monde connaît tout le monde qui était voté mieux il a tourné voter quand même parce que moi connais que yo gagne confiance yo connais que moi venir c'est pas même venir pour reprendre c'est pour te venir porter bail mal chercher changement en Europe dans tout pays que me passer pour capable venir faire porter une différence alors c'est pour ça que je suis là. Dans l'information, avocat Jeanne Barreau, Port-au-Prince, Maître Luxon Love Alphonse montre qu'il est très critique dans sa qui gagne rapport à la crise qui a traversé l'hôpital, l'université, l'État depuis quelques temps. Maître Luxon Love Alphonse mandé pour gagner chita parler qui fait entre médecins résidents, l'hôpital général, yo, à gouvernement en façon pour faciliter l'hôpital là continuer à fonctionner. Luxon Love Alphonse, c'est avocat Jeanne Barreau, Port-au-Prince, là, qui t'a porté plus précision. Dans le micro, Rodelin Pierre avec Markinson Registre. Nous! Non, jeune Barreau, n'a demandé que négociation continue pour que au joigne issue favorable avec normalement tout le monde pas jamais gagner ou pas finir par joindre tout ça qu'on besoin. Dans négociation, faut qu'on d'accord pour perdre dans prétention. L'état a d'accord pour le perdu, les médecins résidents, yo même yo doit d'accord tout pour perdu. Donc yo pas jamais capable joindre tout ça qu'on besoin. Vous pensez que son élan patriotique qui doit joindre, qui doit dégager pour que moun sa yo kap marche l'hôpital chaque jour qui pas capable joindre sur santé, moun sa yo qui couché sous dans l'hôpital depuis avant crise ça, avant grève ça, qui pas capable joindre yon médecin pour prendre soin yo. Donc faut qu'on bagay ki di pou yo, gen yon commission santé dans parlement, que commission santé dans parlement agit commission santé a quoi que yo connaît qui ça pour faire. Que yo pa pran crise l'hôpital général là pour profiter de lui-même pour faire beurre. Donc nous mandé que commission santé parlement li joine avec la présidence et puis chita ensemble avec les concernés dans l'hôpital yo pour que yo joine yon issue favorable à question ça parce que normalement le que ou pas agir dans sens ça et que la loi dit faut ou agir et bien pour commettre une fraction. La loi dit ou agir ou pas agir. Même la loi dit faut porter soin de santé par les gens qui sont malades ou pas porter soin de fraction qu'on commet. À chaque monde qui mourit là, que médecin yo, yo responsable tout. Même gens tout que l'État est responsable de tout le monde qui mourit dans période crise ça parce qu'on pas de qualité de santé là à l'hôpital. Donc nous pensons que jodi an, tout le monde doit chita ensemble pour joindre une méthode. Pour jeunes, nous avons modus operandi à problème qui a traversé l'hôpital depuis mars dernier. Cette information, syndicat employé Office national assurance vieillesse réagit sous bilan 3 mois de travail nouveau. Directeur général ONA Reynald Benjamin réalisé depuis le gouvernement tête institution, président syndicat employé ONA Jean-Luc Bien-Aimé qui
Ça lui est fort, il fait qu'on est qui fait pour améliorer les conditions de travail employé, fait diverses recommandations avec le directeur général, on a tant qu'augmenter bus transport employé, et puis traiter dossier hypothèque là, pour ne citer ça seulement. Jean-Luc Bien-Aimé, c'est président syndicat employé, on a quitté dans le micro, Rodelin Pierre avec Marc Henson registre. Le syndicat a demandé directeur Rénal pour fournir bon genre d'informations sur l'ancienne administration des graphes avec Ménard dans cette boîte là. Côté que nous connaissons un pile grabji administratif que tu as fait. Tant qu'on élimine dette pour ancien Bozouzoun dans la question hypothèque, tant qu'on M. Edouard Gilles, que le syndicat a une bonne information avec preuve tangible dans Mel, qui sont anciens directeurs de GI, côté que nous éliminé des points 6 millions de gouttes pour lui. Tandis que nous-mêmes, nous avons 3 employés en institution, Janita Espérance qui est dans le service compte individuel, et côté caméra qui a visé sous lit pour moi, qui ont hypothèque côté que la payer plus passe 20 ans, il pas jamais 40 ans dans Kaisa et puis ancien directeur passé a nous t'a dénoncé ça dans la presse a éliminer hypothèque pour l'autre monde et lui même il a deux petites, li pas gagne mari, l'a travail pas même utile lui, l'a payer hypothèque ça pas rentrer dans Kaisa. Nous gagne Joseph Baudrel qui dans service ressources humaines, madame Massé qui dans service hypothèque, yo dans même condition avec Janita Experience qui paye hypothèque ça et pas 40 ans dans Kaisa et pendant ce temps ancien directeur t'a et éliminer hypothèque pour l'autre monde. Et comme nous connaissons ancien directeur général qui là qu'on y a là, c'est nous mêmes employés ou non. Tout syndicat qui demande des présidents privés pour y avoir un cadre d'institution et que nous jouons une chance et nous pensons qu'il va le porter correction par à trois employés ça qui a souffert, qui a pas fait magie et pendant ce temps on n'a pas encore ça. Nous en directeur pressé pour pencher sur ça comme nous te chita avec déjà et nous dit que directeur général là tout. Ancien directeur passé a été signé un accord macro-accord avec l'État haïtien pour les policiers qui ont été en et nous avons tout rappelé directeur qu'on a bien parce qu'il y a 22 ans d'institution, c'est en l'an 2002 sous ancien directeur et Oliver Franklin que Kaisa a été construit pour assurer qu'il travaille dans la factory. Pour même comme presse qui vient couvrir aujourd'hui à l'OPO, on a pour pas tomber au NABO, pour te bénéficier, pour te faire hypothèque, pour employer qui travaille dans l'institution privée qui paye au NA, pour l'école. Yo, qui paye ou n'a pas trompé ou n'a pour yon te ka fè hypothèque Kaisa. Et bien c'est ça que nous avons dit, directeur général la pressé, côté à quoi ça, te signé pour yon démakone à quoi ça, pour nous même nous joindre Kaisa yon, pour nous faire hypothèque, pour assurer qu'on travaille dans la factory yon, et de quoi que pour nous rentrer plus profit. Et nous demandons que directeur général la, pour augmenter le nombre de bus que employé ou te gen sous ancien directeur, et Sandro Joseph, qui était employé, on a deux bus pour augmenter le nombre de bus. Je vous ai demandé dans la dernière réunion pour employer, on a eu Capsule Cafou, Capsule Pétionville, Capsule Chada, qui a vu travail dans le bureau central, dans bonnes conditions, même gens ça fait pour APN, pour AVCT, pour Douane, ou Fatma et Latrier. Syndicat a demandé directeur général pour prendre toute disposition pour que l'argent que nous t'étendons de quelque part dans la presse, que nous-mêmes nous sommes au courant de l'IA, 1 milliard. 260 millions de gouttes que l'ancien directeur passé a prêté l'État haïtien pour te remettre là. Nous connaissons que l'agence a ces gagotes que le DAL fait pour faire pacte sportif. Nous-mêmes, l'agence a dans le syndicat, nous connaissons l'agence a c'est l'agent travailleur que nous. C'est l'agent qui travaille dans la factory. C'est l'agent ou même comme journaliste que cap travaille dans le privé, que vous payez au NAPO, c'est où tu as supposé bénéficier l'agence à l'ovine font prêt sur cotisation d'institution. Là où vous faire un crédit 50 côté que vous cachez télévision ou bien vous cachez un cabane pour vous, eh bien l'agence a, c'est l'État ici qui prend. Et nous connaissons l'agent au NAP pas taxe. L'agent au NAP, c'est l'agent travailleur que lié. Et l'agence a nous demandé pressé. Étant donné que nous demandons président privé un cadeau pour te banou un cadre d'institution que le banou. Étant donné que nous demandons premier ministre exemple pour te banou cadre d'institution que le banou. Et deuxième cadeau que le banou nous pressé, c'est restituer nous 1,260 milliards de gouttes que l'ancien directeur passé a te ba gouvernement Matéli gagote là pour te faire gagote. Dossier culture, direction Théâtre National d'Haïti annoncé premier caravane théâtre dans la ville provinciale dans l'idée pour faire théâtre arriver couvrir tous 10 départements géographiques pays d'Haïti. Directeur général Théâtre National La Fritzner, Milien Romage, fait connait gain séance formation qu'a organisé dans différentes villes dans le pays pour former à encadrer et puis sensibiliser population sur l'importance théâtre là pendant lancer un spectacle qui baptisé Fierté Haïtien pour 30 juillet qu'a venir là pour aider population retournée et puis irritée dans la culture haïtienne, selon le directeur théâtre national Fritzner, Milien Kromage, qui t'a porté plus de détails,
dans le micro Garland Soulet avec Marc Henson Registre. On a parlé là aujourd'hui sur premier d'accord départ nous mais premier tentative que Théâtre National a fait pour nous arriver dans la ville provinciale. C'est que nous avons une délégation composée de directeur artistique là, Antito Félix, et directeur de programmation, M. Ricardo Lefebvre, qui, dans le Nord, a commencé le travail pour nous mettre premier atelier ou bien succursale Théâtre National dans le Nord. Parce que Théâtre National, mission, ni pour le mission et vision, pas moins, c'est faire le Théâtre National d'Haïti, le Théâtre National d'Haïti. Parce que ce n'est pas le Théâtre National de Port-au-Prince, c'est le Théâtre National d'Haïti. C'est ainsi que pour les grandes vacances, nous avons commencé avec un atelier pour Michel Fugler-Bourg. Nous avons déplacé dans le Nord. Nous avons installé le premier et nous avons dit que ça. Parce que les talents ne sont pas à Port-au-Prince seulement, et les talents de tous côtés dans le pays. Nous ne sommes pas capables d'évoluer, nous sommes fermés pour faire tout le bail et la capitale Port-au-Prince. Pays d'Haïti, Port-au-Prince. C'est dans le cadre de ça, nous commençons et nous sommes parlé avec M. Ola tout à l'heure. Ils sont arrivés dans le Nord, ils ont été bien accueillis et nous avons fait ça. Nous avons fait ça au Cap et nous avons fait ça à Gonaïve. C'est-à-dire qu'on a privé dans deux grandes villes ça pour nous commencer à mettre ce que ça là. Et en août, nous avons fait le champêtre, nous avons fait un gros spectacle avec Mouno Capio. Nous parlons avec Jean, avec Atelier, nous parlons avec eux. Qui vient de faire un gros spectacle pour les fêtes et on a dit patronales. Et en plus, on a regardé pour nous que j'ai atelier à marcher pour au prince, mon yo, j'ai appris les parce que moi, j'ai annoncé ça, toute ville a appris les mêmes. Certains disent que Fort Liberté est les mêmes, voilà, mettre les mêmes, mon sud est les mêmes. Bon, a, bien entendu, nous connaissons l'État théâtre national au niveau économique. Nous ne sommes pas comme son théâtre rasé. Son théâtre qui n'a pas de moyens de sa politique, mais quand même avec ténacité, avec force, n'a privé pour nous être capables de faire ce que nous devons faire pour le pays d'Haïti. N'a pas avancé avec le programme, n'a pas avancé avec l'atelier. Et je dis que l'atelier, ce qui est très important que nous mettons dans l'atelier, c'est le fait que nous faisons le langage des sourds et des muets. Nous sommes des événements qui sont arrivés en KEA, mesdames ont été tuées, parce que les handicapés ne sont pas pris en compte dans rien que nous avons fait dans le pays. Nous, dans le théâtre national, nous disons premier bagage là, et c'est l'expression que nous avons fait, il faut nous mettre le langage des sourds et des muets dans le programme. Nous. Et je pense que nous avons fait ça dans tout le pays pour nous capables de former les gens, pour nous connaître que les handicapés font partie de nous-mêmes et qui gens pour nous parler avec eux, ce n'est pas diable, ils ne veulent pas tuer eux, ils ont été tués. Non, ce n'est pas édifice d'abord. Édifice déjà là. Parce que l'Institut français, avec le ministère de la Culture, ils ont fait ça dans des clubs. C'est des édifices qui étaient là pour la production. Mais ils n'ont pas fait. Et nous, les bon, jeunes, en général, ils sont tombés dans des activités non productives. Parce que c'était non, mais quand même, on a voulu que nous ramassions ça nous gagne, nous ramassions ça nous gagne sur le plan culturel, sur le plan folklorique, pour mettre en valeur. Nous avons des demandes à l'étranger, nous tellement que. Bah, yo petit que nous pas même répondre à demande ça yo parce que nous manquait nous était dans le théâtre national était dans stade stagnant il pas bouger vrai nous pas renouveler et qu'on a moi m'a travail pour nous faire ça si n'a arrivé sur mounio dans les villes de province pour nous capable renouveler théâtre justement nous pour aller faire n'a pas aller vers ça pour et jeunesse à émerger moi dit tout à l'heure pour souligner un bail pour il y a des activités yo canaliser mounio des activités qui pas vraiment productives, qui pas culturelles. Nous regardons même sur le plan alimentaire, nous avons fait l'autre bail à faire, nous pas haïtiens encore, nous suspendons haïtiens. Et c'est ça qui fait tout le 30 là, nous avons fait un premier spectacle avec moi, nous avons la fierté haïtienne. La fierté haïtienne, nous avons en valeur tout produit haïtien. Et nous avons fait la chorégraphie, la pièce que nous présentée, elle est basée sur ça seulement, sur les valeurs haïtiennes. Moi-même, pour le faire travailler, bien entendu, il faut que l'autre partenaire mette le poids dans la balance pour nous capables de faire ça, nous carrément, nous tourner haïtien. Il y a, nous pas de problème, c'est que dès que nous sommes en Haïti, nous pas l'autre bail, nous naturalisé, nous été haïtien. Il faut que nous connaissions que côté nous sortir, côté nous parler qui ça nous fait.
Dans le pays de l'autre bord, la question toujours été sans réponse une semaine après l'attaque Nislan. Enquête là pour qu'on y a concentré sur une seule question qui c'est qui Jean Camion a fait trouver sous lieu de ramenant sans autorisation, situation qui t'a commencé. C'est une grosse discussion dans la mi-temps classe politique française là. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. 6 jours après l'attentat de Nice, les enquêteurs continuent d'interroger 5 suspects, 4 hommes et une femme de l'entourage du tueur. 2 d'entre eux ont vu leur garde à vue prolongée. Le premier, âgé de 22 ans, a reçu un SMS de Mohamed Laouesh Boulel quelques minutes avant l'attentat, un message dans lequel il est fait référence à des armes. Le second est un homme de 40 ans, présenté comme une vieille connaissance de l'assaillant. La prolongation de leur garde à vue peut aller jusqu'à 6 jours avant une éventuelle mise en examen par des juges antiterroristes. L'enquête devra aussi déterminer s'il y a eu des manquements de la part des autorités locales. Selon un arrêté préfectoral, les poids lourds ne sont pas autorisés à circuler les jours fériés partout en France et en particulier sur la promenade des Anglais. Pourquoi alors que Nice est doté de 1400 caméras de vidéosurveillance, le camion n'a-t-il pas été contrôlé ? Le Canard enchaîné évoque par ailleurs une demande pour la mise en place de barrages filtrants ce jour-là. Pourtant, aucun renfort n'a pu être déployé. La gestion qui a été effectuée sur Nice ne pouvait pas aller au-delà des effectifs puisque nous n'avions pas plus d'effectifs présents. Donc ça veut dire qu'il nous faut des forces supplémentaires. Pourquoi ? Parce que mes collègues ont été soumis à un rythme de travail très important. Le dispositif retenu permettait de réagir en cas d'intrusion de personnes armées, mais pas de véhicules. Pourtant, au cours de l'Euro, des blocs de béton avaient été disposés autour de la fan zone de Nice, une option qui n'a manifestement pas été retenue pour le 14 juillet. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, day pour pays la France une autre fois encore suite à clan moto militaire français dans un accident hélicoptère jeudi mercredi 20 juillet 2016 là dans le pays Libye, un drame qui confirme l'engagement militaire français dans le pays Libye. Canal France 24. Non, au reportage. Et sans fin pour l'armée libyenne, comme en témoignent ces images datant du mois de février. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie au chaos absolu. Et Benghazi, la seconde ville du pays, est très disputée par les milices islamistes. C'est là que sont morts dimanche 3 militaires français, comme le confirme aujourd'hui François Hollande. La Libye, c'est à quelques centaines de kilomètres seulement des côtes européennes. Et en ce moment même, nous menons des opérations périlleuses de renseignement. 3 de nos soldats, qui étaient justement dans ces opérations, viennent de perdre la vie dans le cadre d'un accident d'hélicoptère. Je leur rends hommage. Un accident selon la France. L'agence américaine AP évoque, elle, un accrochage entre les troupes libyennes et une milice islamiste. L'hélicoptère libyen où se trouvaient les Français aurait été abattu par un missile. Jusqu'à présent, la France reconnaissait seulement des opérations aériennes de reconnaissance sur la Libye. Cette fois, il faut aussi admettre la présence d'hommes sur le terrain. Les 3 militaires appartiennent au service Action de la DGSE, les services secrets français, comme les forces spéciales, des troupes habilitées à intervenir, même en dehors d'une guerre officiellement ouverte. Voilà, cela nous mettait fin à la 3e sortie. Nous allons nous poursuivre maintenant, mais avant de partir, nous allons vous rappeler quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le sénateur Nord-Ouest, là, au nom de lui, minimisé, a arrêté présidentiel qui invitait la population à participer dans la prochaine compétition électorale. Selon le parlementaire Nord-Ouest, là, Justin Briver, pas de qualité pour continuer. Engager l'État. Inscription candidat pour renouvellement tiers Sénat continuer dans Bellevue 1. Dans Pigeonville, côté Marie-Liliane Verbrick dit Maman la vie, fait des paupières ce livre, mercredi 20 avril 2016. Là, l'intervention de Marie-Liliane Verbrick dit Maman la vie promet pour le travail pour y changer l'image pays d'Haïti si toutefois l'État arrive et remporte l'élection. L'élection Théâtre National Haïti a annoncé premier caravane théâtre dans la ville provinciale l'idée pour faire théâtre là, arriver couvrir. Tous 10 départements géographiques pays d'Haïti, directeur général Théâtre National, Fritz Nermilien, hommage fait qu'on ait gain séance formation qui a organisé dans différentes villes dans le pays pour former, à encadrer et puis sensibiliser la population sur l'importance théâtre pendant lancer un spectacle qui baptisé Fierté Haïtien pour 30 juillet qui a venu là pour aider
population retournée puis retée dans la culture haïtienne. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, dans le pays de la France, une autre fois encore suite à la mort de trois militaires français dans un accident d'hélicoptère jeudi mercredi 20 juillet 2016, là, dans le pays Libye, un drame qui confirmait l'engagement militaire français sous territoire libyen. Ces principales informations et diverses autres qui étaient faites essentielles, 3e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.